Bonjour, je voulais présenter un de mes albums faits l'année dernière avec un papier Action. Et je vois que les doubles faces d'Action, disons que c'est pas vraiment qu'ils se décollent, mais c'est que c'est difficile. On pense jamais d'appuyer beaucoup. Voilà, ici c'est tout en 3D. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs épaisseurs. Les papillons, on les a dépliés aussi. Voilà. Sur le côté, j'avais fait un bijou d'album avec des petites décos qui me viennent. Je ne saurais même pas vous dire de où. De droite et de gauche. Et l'arrière, il n'y a rien. Enfin, juste ça. Il se ferme avec un gros ruban rose. Voilà. Donc, j'ai découpé beaucoup de parties. Dans un petit livre qui sert à faire des cartes postales normalement. Voilà. Ça, c'est les chutes. Avec les chutes, j'ai fait des tas de tags. J'ai fait une petite enveloppe transparente avec un petit aimant là, dans un papier vellum de chez Action. Et il y a un tag à l'intérieur. Voilà. Elle vient se glisser ici. Hop. Alors là, c'est juste un emplacement de plus pour une photo. Les inserts sont simplement faits en papier recto verso. Alors, je vais y arriver ou pas? Ici, il y a des petits décors de temps en temps. Voilà. Pareil, il est très simple, hein? Là, il y a un petit carnet pour mettre des commentaires. Voilà, avec un petit cœur. Et il se glisse là dans la pochette. Voilà, ici, des emplacements pour mettre des photos. Là aussi. Là, il y a une belly band avec deux tags arrondis et un grand insert pour mettre des plus grandes photos. Ou deux petites. Là, il y a encore un emplacement. Et là, c'est une enveloppe quand j'ai commandé chez voilà, Craftelier. J'avais commandé une fois, mais maintenant j'ai trouvé une boutique beaucoup moins chère, donc je ne commande plus chez lui. Et j'avais reçu ça. Voilà, il y a des licornes à découper et des licornes autocollantes. Et donc je me suis dit que ça correspondait bien au style de l'album. Donc j'ai fait l'album à la taille de leur enveloppe, que j'ai décoré un petit peu quand même. Et j'ai mis ça à l'intérieur pour que la personne à qui j'offrirai qui aura en tout cas cet album un jour ou l'autre, si je me décide à l'offrir, elle aura de quoi décorer l'album avec les autocollants et les die-cuts. Voilà, bye bye, à bientôt!